J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une préoccupation de vraiment beaucoup de personnes qui m'ont laissé cette question dans ma boîte mail. Les gars m'ont demandé comment faire vraiment une bonne végétation extérieure lorsqu'on utilise par exemple Verifor SketchUp. Donc, de toutes les façons, tous ces éléments-là, je vais vous expliquer ça de manière anatomique dans la formation que je vais vous proposer du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pour les dire, c'est vrai, on réalise des tutos, mais le plus important, c'est de vous former. Voilà, formez-vous. C'est ce qui va faire de telle sorte que vous allez, par exemple, faire quelque chose qui est professionnel. Si tu veux partir sur quelque chose, mais faire quelque chose qui est professionnel, tu es obligé de te former. C'est une obligation. C'est pas moi, je le dis, mais c'est une obligation. Donc, formez-vous. Voilà. Donc, je ne peux pas vraiment beaucoup de formation pour vous aider. Pour tous ceux qui veulent se lancer, pour tous ceux qui veulent faire tout ce qui est professionnel, voilà, vous pouvez me contacter. Quand toutes ces formations vont être terminées, de toutes les façons, vous serez notifié automatiquement, soit dans la boîte mail, dans le groupe Telegram et autres. Voilà. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé comment réaliser une bonne végétation sur SketchUp, il y a vraiment beaucoup de techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir réaliser une bonne végétation sur SketchUp. Donc, premièrement, je vous conseille cette plateforme SketchUp qui va vous permettre de pouvoir réaliser une bonne végétation sur SketchUp. C'est un plugin qu'on greffe, c'est-à-dire qu'on va le greffer dans SketchUp et il va nous permettre de pouvoir réaliser une très 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 bonne végétation. Donc, par exemple, je vais faire un tour sur quelques images et après on va partir sur par exemple ce plugin là. Par exemple, voilà ce que ce plugin est capable de faire. Vous voyez ici, je vais vous présenter ces éléments un peu rapidement et je vais vous montrer où vous pouvez l'avoir. Voilà, voilà ce qu'il est capable de faire. Vous pouvez voir ici, voilà ce qu'il est capable de faire. Regardez la végétation. Voilà ce qu'il est capable aussi de faire. Donc, c'est grâce à ce plugin-là que vous serez à mesure de réaliser tous ces éléments-là. Voilà, donc vous allez voir, par exemple, des architectes, toutes les personnes qui sont dans tout ce qui est graphique et autres. La majorité, ils utilisent ce plugin. La majorité, ils utilisent ça et d'autres plugins aussi. Donc, si tu veux aller, par exemple, dans le monde de tout ce qui est professionnel, toi aussi, tu dois te former et commencer à acheter des trucs en ligne petit à petit. Et c'est comme ça que tu vas être vraiment très, très fort dans tout ce qui est rendu. Arrivé un moment, faire des rendus de manière simple ne suffit pas. Arrivé un moment, il faut investir. C'est comme ça, il faut investir. Et après aussi, tu auras aussi le retour. C'est comme ça, ça se passe. Donc voilà, comme vous m'avez posé la question, on va aller maintenant directement sur le site. Et vous allez voir où... et comment vous pouvez, par exemple, faire de très, très bonnes végétations. Donc, automatiquement, je vais me diriger sur le site. Vous allez taper ça automatiquement. Hop. Donc, on va attendre jusqu'à ce que la connexion Internet puisse charger parce que ça met un peu de temps en français. Je traduis en français. Hop. Voilà. Donc, vous voyez que automatiquement on est sur le site. Voilà. Je vous conseille cela. Je vous conseille cela. Donc, si tu veux partir ou faire tout ce qui est professionnel, il faudrait que toi aussi tu te mettes à fond, souvent à acheter des petits trucs voilà, pour pouvoir embellir ton projet. C'est vraiment une obligation. À moins que tu veux rester dans tout ce qui est moyen, tout ce qui est gratuit. Tout ce qui est gratuit ne va pas te permettre de pouvoir avancer de manière proprement. Voilà, c'est comme à l'école. Si tu ne payes pas ton inscription, le professeur ne va pas te donner des cours. Voilà, c'est une réalité. Voilà, donc vous avez ces différents types de plugins qui sont là. Vous avez Transmutation, vous avez Blaza 3D. Blaza 3D, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Mais si je ne me trompe pas, peut-être que dans ma playlist de SketchUp, j'ai déjà expliqué cela. Donc, vous voyez automatiquement l'extension ici. L'extension de diffusion la plus puissante pour SketchUp. Vous voyez, rendre de non-qualité de végétation plus rapidement. Tous ces éléments-là, c'est cette extension qui va vous permettre de pouvoir réaliser cela. Donc, vous voyez que ici, vous pouvez télécharger la version essai, c'est juste 15 jours. Et après, vous pouvez payer la version, c'est-à-dire vous pouvez payer, par exemple, la licence. Donc, je vais descendre. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelques modèles. Voilà. De quoi est capable cette extension. Vous voyez que déjà, vous donnez vue à vos modèles. Vous regardez déjà, par exemple, l'exemple de l'extension. Donc, tout ce que vous allez voir au niveau de la végétation, par exemple, ici, tout ce que vous êtes en train de voir actuellement, c'est grâce à cela que vous pouvez produire cela. Maintenant, si vous avez d'autres extensions, ça peut se faire. Mais par celui-là, vous n'avez plus de problème. Vous pouvez faire tout ce que vous devez, par exemple, faire dans tout ce qui est décoration extérieure. Parce que c'est aussi important lorsqu'on réalise, par exemple, un rendu extérieur. Donc, vous voyez que le premier modèle, vous voyez que regardez ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est très, très, très réaliste. Et il va encore devenir plus réaliste en fonction de, par exemple, la machine que vous utilisez. Tout aussi, tout va dépendre aussi de la machine que vous utilisez. Donc, quelqu'un qui utilise un dual core i2, c'est un dual core
ou bien un i3 qui n'est pas aussi performant, c'est un exemple, ne peut pas avoir la même qualité avec une carte graphique GeForce RTX 3060. C'est pas la même chose. Donc tout va dépendre aussi de la machine que vous utilisez. Voilà. Donc on va juste descendre ici. Vous voyez la puissance de l'extinction. Regardez ce qu'il est capable de faire. Il est très très puissant. Donc on va maintenant descendre. On va avoir par exemple quelques modèles, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ici vous avez les différents types de versions. Nous on va s'intéresser au modèle. Par exemple, on va prendre celui-là. Je vais cliquer. Et on va définir, donc vous voyez la décoration extérieure, c'est-à-dire la végétation. Dans cette vidéo, c'est la décoration extérieure qui nous intéresse, c'est-à-dire la végétation. Vous voyez que j'avance, regardez ce qu'il est capable de faire. Vous voyez ce qu'il est capable de faire. Si vous avez ça, vous n'avez plus de problème, vous faites au niveau de la décoration extérieure. Voilà, donc je ne sais pas s'il fonctionne aussi avec Revit. Je n'ai pas encore vérifié cela parce que j'ai reçu aussi la question. Mais après, je vais le vérifier. Mais si tu regardes la vidéo, si tu peux aussi le vérifier. Voilà, donc tout ce qui est arbre, regardez, on va essayer d'avancer. Regardez ce qu'il est capable de faire. Vous voyez la puissance de l'extinction. Donc, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il n'est pas trop cher, je pense que 100 ou 120 euros. Je pense si on convertit en francs, c'est pas un taux de, si je ne me trompe pas, 70 000, mais 80 000 et quelques, je ne sais pas. Donc, tu économises, tu payes. Si tu veux te lancer dans tout ce qui est professionnel, je te conseille celui-là. Donc, c'est le site qui se trouve ici. Donc, on va juste, par exemple, avancer. Hop. Regardez ce qu'il est capable de faire au niveau de la décoration. Vous voyez ce qu'il est capable de faire au niveau de la décoration. Regardez les arbres, regardez juste le sol. C'est vraiment hyper réaliste. Voilà, donc on va juste avancer. Regardez la décoration extérieure. Regardez la fourrure de tout ce qui est herbe et autres. On continue. Voilà, regardez ce qu'il est encore capable de faire au niveau de la décoration, la végétation. Voilà. Voilà, bon, par exemple, je vais revenir sur celui-là. Il est où? On va essayer de zoomer. Regardez la décoration extérieure. Ce qu'il est capable, par exemple, de faire. Pouvez-vous même constater cela? Regardez. Voilà, donc c'est grâce à cette extension que vous allez acheter et greffer dans SketchUp, vous allez être vraiment hyper, hyper à l'aise. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. Vous ne faites que placer ces éléments sur moi. Regardez la décoration. On va juste en avance. Regardez ce qu'il est capable de faire. Mais, de grâce, n'oubliez pas d'avoir une bonne machine. N'oubliez pas surtout cela aussi. Une machine quand même qui peut faire fonctionner ce plugin-là. Voilà. Donc, voilà. Regardez ce qu'il est capable de faire. Au niveau de la décoration, regardez vous-même. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, un mot. Je vous conseille, par exemple, l'extinction. Vous voyez que ici, si vous voulez, par exemple, l'acheter, vous allez créer un compte, par exemple. Vous allez venir sur les plateformes, créer un compte et vous allez mettre, par exemple, acheter. Et automatiquement, on va vous mettre les différents types de forfaits. On dit perpétuel. Vous voyez ici, 119 euros. Vous voyez, siège fixe annuel. C'est-à-dire, si vous voulez payer chaque an 79 euros, ça peut se faire. Si des gens sont capables de payer des téléphones iPhone à des milliers d'euros, c'est pas 79 euros qu'on ne peut pas avoir. On essaie de se débrouiller, on essaie de serrer les coudes avec un compte PayPal ou bien un compte bancaire. Automatiquement, vous l'achetez. Vous voyez, ici, vous l'achetez pour l'année. Et moi, je vous conseille généralement d'acheter ces éléments pour l'année parce que lorsqu'on passe dans une autre version, ça peut changer. Voilà, donc vous avez vos tarifs ici, vous essayez automatiquement avec votre compte bancaire et automatiquement vous l'achetez et vous n'aurez plus de problème avec SketchUp. Vous allez faire tout ce que vous devez faire. Par exemple, lorsque je viens dans SketchUp ici, par exemple. Je reviens juste en arrière, hop, je reviens, hop, vous allez voir que je l'ai ici, si je ne me trompe pas, le voilà juste ici, voilà, voilà l'extension, il se trouve, excusez-moi, juste là, donc vous voyez qu'au niveau de tout ce qui est, par exemple, décoration extérieure, je peux faire tout ce que je fais, je peux faire par exemple tout ce que je veux grâce à l'extension, voilà, donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, pour ne pas rater les prochaines vidéos, et sur la chaîne principale, je publie 3 vidéos par semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!